vraiment des joueurs d'expérience. Ça a été le leitmotiv du FC Metz, ça a été de recruter avec des joueurs d'expérience qui connaissent la Ligue 1. Et donc, automatiquement, ces joueurs étant absents, on perd un petit peu le fil. Le haou du public lyonnais, on l'a vu, hommage aux mères lyonnaises, c'est en rapport avec ce qui s'était dit sur les cuisines, le foot, etc. C'est un acte de contrition de la part des supporters lyonnais. Les joueurs messins, eux, sont prêts à entrer sur la pelouse. On a vu l'expérimenté Franck Signorino, une équipe messine qui vient pour venir chercher au moins un point dans cette rencontre sur cette pelouse du parc OL, avec en face notamment Anthony Lopez, le gardien champion d'Europe, derrière Alexandre Lacazette, parce qu'on a parlé des absents côté messin, il y en a aussi à Lyon, avec notamment le capitaine qui n'est pas là, Maxime Gonalon, absence aussi de Jérémy Morel, de Nicolas Nkoulou, ça c'est un choix d'avoir aussi le jeune joueur lyonnais qui finalement n'est pas aujourd'hui parmi les joueurs, même sur le banc. Et voici les Lyonnais qui arrivent, les Messins derrière eux, le parc OL vous accueille. C'est la suite de cette 27e journée de Ligue 1, juste après le succès de Caen sur la pelouse de Saint-Étienne 1-0.